Bonjour à tous, ici Goomba80, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un petit unboxing. Donc là, désolé, il y a le chat qui commence à faire chier, bon c'est pas grave, j'ai voulu changer l'endroit. Donc voilà, donc on se retrouve pour un nouvel unboxing, sur. Donc, on va s'ouvrir ça. Donc on se retrouve sur Xbox 360. Ouh. Attention. Darksiders, donc en classique, hein, le best-seller. Donc bientôt il y a le 2 qui sort, hein, que je vais avoir aussi. Donc voilà. Donc on va s'ouvrir ça. On va regarder vite fait derrière. Voir, le premier cavalier de l'Apocalypse est accusé d'avoir provoqué une guerre entre les cieux et les enfers. Déshonoré et destitué de ses pouvoirs, War revient sur Terre pour se venger et rétablir la vérité. Ça, c'est fait. Alors, donc désolé là pour le portable. Ah, pas mal le petit Xbox classique là, avec le petit vert, c'est joli. Ça change, donc j'espère que vous voyez bien. Hop, normalement vous voyez bien. Ouais, impeccable. Oula, un gros manuel, ça change. Ah, c'est pour ça que la boîte est aussi souple. Là, c'est une nouvelle boîte, on voit le logo. Alors, le gros manuel, donc, qui est en noir et blanc. Donc, c'est en plusieurs langues, c'est pour ça aussi qu'il est en. L'introduction, donc les commandes. Il est aussi épais, les artefacts, le matériel est couru. Game Control, Fear the Metro, Metro 2033, donc petite pub. Donc le bah voilà, c'était l'unboxing de Darksiders sur Xbox 360. Donc je remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo. Puis bah je vous dis à la prochaine. Donc la prochaine quand pour un nouvel unboxing, je sais pas lequel, mais il y aura Darksiders 2. Donc voilà. À la prochaine. Bye.